Je suis ici pour participer au Bukut de mon village, Etomé, ici à Niassia, pour montrer l'importance qu'il y a pour nous, Africains, de célébrer nos origines, l'importance pour nous, Africains, d'être enracinés dans nos valeurs, dans nos vertus, dans notre identité africaine, dans notre identité de Sénégalais et plus particulièrement dans le cas d'espèce, dans notre identité de Bayot. Et donc c'est pour valoriser cela, parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Bayot, personne ne valorisera notre culture, notre vision de la vie, notre manière de faire, personne d'autre que les Bayot ne le valorisera à notre place. Et donc c'est une étape fondamentale dans la vie de tout Bayot. Et la dernière fois qu'il y a eu cet événement, c'était en 1976. Et donc depuis lors, c'est aujourd'hui en 2021 qu'on a la chance de pouvoir revivre cela. Et donc c'est une cérémonie importante, capitale pour nous, pour notre vie, pour notre avenir. Et comment avez-vous ressenti justement le contact avec la tradition bayote? Je suis très heureux de pouvoir revenir ici, de pouvoir participer à cela. Je crois que ce qui va nous être délivré pendant tous les jours va nous renforcer, va nous permettre de mieux vivre en société, va nous permettre de mieux apprécier ce qu'est le Bayot, ce qu'est le royaume Bayot, ce qu'est notre vision de la vie, notre philosophie. Et c'est avec un bonheur et un plaisir immense que nous sommes ici, pas seulement moi, mais tous les autres, pour nous connaître aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous enraciner, afin de proposer au Sénégal, afin de proposer au monde le Bayot, sa vision et sa philosophie. Méridional.